Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt rebonjour à toutes et à tous pour toutes celles et ceux qui étaient présents il y a une heure pour le live spécial NFP UAV Dizard. Donc ravi de vous retrouver à nouveau en ce vendredi 3 novembre 2017. Alors, avant de débuter sur ce point de marché, avec ce point de marché, hein, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on parlera donc du NFP et également des chiffres de l'emploi au Canada, donc l'USD4 qui était la paire à suivre aujourd'hui. On en parle dans un instant. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement important à prendre en compte. Donc n'hésitez pas à bien le lire et on va débuter. Donc d'abord un mot sur le calendrier avec le calendrier macroéconomique. Donc pour rappeler ces chiffres majeurs qui viennent de tomber, le taux de chômage aux États-Unis qui baisse à 4,1%, le consensus anticipait un taux de chômage stable à 4,2%. Mais en revanche, il y a une déception en termes de création d'emplois au mois d'octobre, puisque 261 000 emplois ont été créés le mois dernier. Et c'est nettement inférieur aux attentes du consensus qui en anticipait 313 000. Au passage, hein, le mois dernier, le NFP indiquait une destruction d'emplois de 33 000 même emplois. On voit que ce chiffre a été revu à la hausse, puisque finalement le mois dernier, donc le NFP a été corrigé en hausse à 18 000 emplois. Alors ça, c'était pour les États-Unis. À noter également une statistique qui est importante. C'est cette statistique, donc le salaire horaire moyen, qui ralentit à 2,4%. Donc finalement, ce qui n'est pas de très très bon augure pour le dollar américain, bien qu'on l'a suivi tout à l'heure, sa première réaction donc était baissière. Mais voilà, une correction, des mouvements correctifs prennent forme, on en parle dans un instant. Simplement pour terminer avec le calendrier macroéconomique et donc les statistiques parues au Canada au même moment, il y a un peu plus d'une heure maintenant, donc qui ont indiqué un taux de chômage en légère hausse à 6,3%, mais une variation nette de l'emploi positive, puisque 35 300 emplois ont été créés le mois dernier donc au Canada, et c'est nettement supérieur aux 15 000 anticipés par le consensus. Voilà donc ce qu'il fallait savoir pour la macroéconomie du jour. Il s'agissait donc des statistiques majeure, plus importante d'ailleurs attendue aujourd'hui, bien que tout à l'heure, donc dans une vingtaine de minutes, il y aura les PMI non manufacturiers qui seront publiés aux États-Unis, mais voilà, il s'agissait de la statistique majeure dans un contexte bien sûr particulier, puisque je rappelle qu'hier Donald Trump a indiqué qu'il ne renouvellerait pas le mandat de Janet Yellen à la tête donc de la Fed, qui sera remplacée par Jérôme Powell. Voilà donc pour l'aspect fondamental. Sur l'aspect technique, et voici donc mon graphique du taux de change USD/CAD, le taux de change USD/CAD qui est en train de casser ce niveau de support à 1,2777, qui est loin d'être un niveau anodin pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sur ce graphique daily, ce graphique de données journalières, il s'agit de ce sommet du mois d'août dernier, qui jouait cette semaine un rôle de support, donc ancienne résistance devenue support, solide inversion de polarité, qui est en train d'être cassé par le marché, et on voit d'ailleurs une décélération du momentum de l'indicateur RSI, ce qui est plutôt logique hein, finalement, au vu des très bonnes statistiques canadiennes, à l'inverse donc des statistiques plutôt mitigées du côté des États-Unis. Donc risque baissier à court terme, risque baissier qui serait relancé en cas de clôture sous les 1,2777, puisque vous le savez, hein, bougie pas clôturée veut dire bougie pas encore validée. Donc plusieurs mouvements correctifs peuvent encore prendre forme sur le taux de change USD/CAD, mais pour le moment, au moment où je vous parle, le risque me paraît baissier, puisque d'ailleurs ce seuil dont je vous parlais à 1,2777, même à 27,78 quasiment, est également au niveau de support, un seuil d'inversion de polarité même en données hebdomadaires. Vous voyez hein, ce seuil donc, qui couvrait les cours depuis le début du premier trimestre hein, de l'année 2015 déjà. Donc c'est un niveau de support qui est en train d'être cassé. Attention car en données hebdomadaires, nous ne sommes pas à l'abri d'un pullback. Nous ne sommes pas à l'abri d'un pullback et c'est l'enjeu donc de la clôture de ce soir sur le taux de change USD/CAD. Y aura-t-il ou non un breakout
Pour le moment, en tout cas, le marché est en train de le casser. Et un 27,77 qui est également donc ce seuil, cette ancienne résistance en données mensuelles. Donc, d'où l'enjeu donc technique de ce pivot situé à 1,2777. Alors, comme j'expliquais à court terme, le risque paraît bien sûr baissier sur le taux de change USD/CAD. Donc, en cas de confirmation hein, de ce risque baissier, le marché pourrait retomber à court terme, c'est-à-dire dans le courant de la semaine prochaine, sur ce niveau représenté par mon curseur à 1,2625 dollars canadiens. Ça, c'est pour du court terme, mais lorsque je regarde le graphique en données 4 heures, bah, je me dis encore une fois que nous ne sommes pas à l'abri d'un pullback, puisqu'on voit que la bougie en cours commence à mécher, mèche inférieure, donc un rebond prend forme. Le RSI stagne à l'approche des 30. Donc je me dis que finalement, le prix RSI pourrait rebondir en même temps, ce qui pourrait éventuellement permettre donc de tenir au marché de tenir le seuil à 1,2777. D'où l'enjeu de ce pivot. J'en parlais cette semaine, mais un pivot en effet, donc par définition a un rôle bah, plutôt de catalyseur hein, d'un point de vue technique. Donc soit en cas de cassure, bah, là, clairement le risque baissier serait confirmé et relancé même sur le taux de change USD/CAD. Ou au contraire, en cas justement de maintien de ce support, le taux de change USD/CAD pourrait rebondir en direction des 1,29 lors des prochaines séances. Alors je vous rappelle hein, que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires ou poser vos questions. Bonjour à toutes celles et ceux hein, qui êtes présents donc, sur le chat. Voilà donc ce qu'il fallait savoir pour le taux de change USD/CAD, qui était donc la paire à suivre aujourd'hui, suite finalement à ce double rapport NFP, entre guillemets hein, bien sûr, rapport NFP américain et entre guillemets canadien. Alors on va repasser à des devises, aux autres devises majeures, et notamment le taux de change euro-dollar. Alors comme je l'ai expliqué en introduction, et lors du webinaire spécial NFP, il y a une heure, il y a environ une heure, donc le taux de change euro-dollar était en train de franchir cette résistance à 1,1662. Mais voilà, l'analyse technique a encore fait parler d'elle, puisque ce seuil est en train de tenir. Et donc, mouvement correctif, le dollar qui a une première réaction baissière suite à ce rapport NFP est racheté dans la foulée par le marché. Donc, ça rejoint ce que je viens de dire il y a quelques minutes sur le taux de change USD/CAD. Le dollar est racheté, ce qui pourrait donc provoquer un rebond du USD/CAD. Mais voilà, simplement pour fermer la parenthèse du USD/CAD, n'oublions pas également qu'il y a le dollar canadien qui est vigoureux et qui lui également est porté par ses propres statistiques canadiennes. Ça explique donc la petite divergence de réaction entre l'euro-dollar et l'USD/CAD. En tout cas, concernant l'euro-dollar, ma stratégie baissière est confirmée. Le marché en intraday, en données 4 heures, s'est replié sous son premier seuil de résistance à 1,1696, pour ce qui est de l'intraday. Premier suite à ce seuil à 1,1662. Mais en tout cas, pour revenir en données journalières, eh bien, tout simplement, la configuration me paraît clairement et fermement baissière. Donc, conviction ferme et fortement baissière sur le taux de change euro-dollar, qui donc, je me répète un peu, hein, c'est vrai, mais voilà, c'est une de mes stratégies de la semaine pour laquelle j'ai énormément de conviction. Donc, l'euro-dollar qui a cassé, hein, je le rappelle, la semaine passée, cette zone de support, suite à l'intervention de la BCE, zone de support située entre les 1,1727 et 1,1662, le marché reprend son souffle, donc effectue finalement un fanion, qui est une figure de continuation, sous une résistance à 1,1662 et malgré un rapport NFP mitigé, voire plutôt décevant, bien qu'il y ait eu ces métalactifs, donc de ces statistiques américaines, une baisse du taux de chômage américain. Mais voilà, le nombre de créations d'emplois a déçu. Il n'y a pas énormément de volatilité, moins de volatilité que lors des précédents rapports NFP. Hormis le mois passé où je rappelle qu'il y avait un contexte, je dirais, plutôt environnemental avec les différents ouragans qui ont frappé les États-Unis les semaines précédentes. Mais en tout cas, relativement peu de volatilité. Donc,
La première résistance 1,1662 pourrait, selon moi, tenir. Et donc, le taux de change euro dollar pourrait repartir à la baisse. Je pense que dans un premier temps, il pourrait retrouver ce point bas à 1,1574, voire en intraday ce support très court terme à 1,1609, 1,1610. Mais voilà, je pense que sur du moyen terme, l'euro dollar est orienté à la baisse. Donc je le rappelle, hein, depuis donc l'intervention très accommodante de Mario Draghi et de la BCE jeudi dernier, c'est la raison pour laquelle ma stratégie est baissière et je pense que donc sur du moyen terme, peut-être pas la semaine prochaine, pourquoi pas après tout, mais en tout cas, voilà, je pense que dans les prochaines séances, quelques prochaines semaines, je pense que le taux de change euro dollar pourrait retomber sur les 1,14715 et bien sûr cette stratégie, alors, pourrait être invalidée. En cas de franchissement des 1,1662, en tout cas, elle serait clairement invalidée en cas de franchissement des 1,1727. Mais voilà, pour le moment, ma stratégie est baissière sous ce magnifique seuil d'inversion de polarité, 1,1662, qui est également une magnifique ligne de coup d'une épaule tête-épaule qui a été enclenchée à la clôture de la semaine passée. Et donc, comme vous le savez, l'épaule tête-épaule est une figure configuration de retournement. Donc, je dirais que ce soit sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique et dans les différents unités de temps, bah, selon moi, tous les signaux sont en vert pour dégager une stratégie baissière. En tout cas, c'est le choix que, voilà, que je fais, c'est l'interprétation que je donne à l'analyse technique. Voilà pour le taux de change euro-dollar. On va avancer rapidement sur d'autres actifs. Simplement quelques réactions sur le chat de Arthur. Donc n'hésitez pas à faire comme Arthur et à réagir et laisser vos commentaires et poser vos questions sur le chat à Arthur qui a dit que les acheteurs ont été piégés, déçus, mais le chiffre est tout de même correct pour la création d'emplois. Oui, c'est vrai, hein, n'oublions pas qu'il y a eu plus de 200 000. 200 000, pardon, emplois créés, donc ce qui en soi est très positif pour l'économie américaine. Donc, sur l'analyse moyen-long terme, je dirais c'est plutôt à mettre à l'actif du dollar américain. Et c'est d'ailleurs la réaction qui est en train de se dessiner hein, de la part du marché. Malgré une réaction donc baissière sur le dollar est racheté. Une heure après la publication du rapport NFP, le dollar est racheté, d'où l'importance de faire attention aux mouvements correctifs lors de ces statistiques majeures qui provoquent hein, des mouvements assez volatiles. Alors simplement, un mot sur les majeurs, le GBP/USD, j'en ai parlé, qui reste orienté à la baisse hein, depuis, bah, malgré même, je dirais, le relèvement de taux de la Banque d'Angleterre hier. Puisqu'en effet, le marché a vendu de la livre alors que la Banque d'Angleterre a relevé ses taux, bien qu'il était anticipé. Donc, cela montre hein, la volonté du marché de vendre la livre sterling. Donc, ma stratégie est baissière pour viser un 28,50. Bien qu'il y ait ce support qui fasse réagir l'euro GBP, le GBP USD, pardonnez-moi, 1,3030. Première réaction haussière. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, je ne serais pas étonné qu'un pullback sous les 1,3125 prennent forme. En tout cas, sur du moyen terme, ma cible est pour le moment baissière pour viser 1,2850. Et enfin, le taux de change USD-Yen. Ensuite, je passerai aux indices. Le taux de change USD-Yen qui lui, et ben voilà, avec le renforcement du dollar américain, désormais qui se rapproche de nouveau des 1,1450, qui est donc la partie supérieure de ce rectangle et qui joue donc un rôle de résistance depuis le mois de mars dernier. Et cette résistance qui est sous pression. Mais comme j'indiquais tout à l'heure, voilà, nous sommes sous une résistance majeure et sous résistance majeure, le risque est baissier selon l'analyse technique. Bien sûr, en cas de franchissement d'un 1,1450, je pense que le marché aurait écarterait hein, du coup ce risque baissier, relancerait donc un taux de change USD/Yen stable depuis maintenant plusieurs mois. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas du moins. Donc, sous une résistance, on peut soit dégager une stratégie baissière, soit attendre un éventuel breakout qui pourrait ne jamais venir.
en tout cas à court et moyen terme. Voilà donc pour les paires, les quatre paires majeures. Un mot sur le DAX qui, après avoir atteint un nouveau record cette semaine, consolide, se stabilise sur un mouvement latéral sous cette résistance, notamment que je trace sous vos yeux. Voilà, cette résistance à 13 485 points. Donc là, je pense en effet qu'il y a à court terme, je dis bien très court terme, en intraday, un risque baissier suite notamment à ce point de vue qui est survenu hier sur les plus hauts. Donc on le sait, lorsque le marché est sur des points hauts ou sur des points bas, en soi, cela joue un rôle de support ou résistance. Donc pour le moment, en effet, suite à ce pendu qui est une figure de retournement, voilà, je pense qu'on peut s'attendre à la poursuite de cette consolidation, peut-être qu'au point bas d'hier, de la séance d'hier, à 13 400 points quasiment. Cela correspondrait donc à la partie inférieure de ce mouvement latéral, notamment en données 4 heures. Mais voilà, attention, il faut remettre les choses dans leur contexte. La tendance est clairement haussière sur le DAX. Un drapeau prend forme, drapeau qui est une figure de continuation. Donc je pense que sur le moyen terme, le DAX pourrait atteindre les 13 500 points. Mais pour le moment, il y a une phase de digestion, de prise de bénéfices de la part de l'indice allemand. Un mot sur le CAC, ensuite je passerai à Wall Street et aux éventuelles questions. Le CAC que voici, le CAC qui lui également, suite à ce pendu et marteau inversé, marteau pardon, inversé, pendu, qui sont enchaînés, met sous pression ce seuil à 5 500 points, qui pour le moment continue de soutenir l'indice parisien. Et donc un rebond, un pullback sous cette zone, hein, 5 500 et 5 485, paraît envisageable. Le momentum se maintient à l'intérieur donc de la zone de surachat entre les 70 et 100, ce qui est signe hein, donc d'un marché haussier. Mais ça, on savait donc notamment depuis maintenant depuis la rentrée. Depuis la rentrée septembre, la tendance est clairement haussière sur le CAC, bien qu'il y ait un mouvement de consolidation et de prise de bénéfices. En tout cas, je pense que le marché pourrait donc rebondir sur les 5 485 points, dans cette zone en tout cas, peut-être même immédiatement hein, sur les 5 500 points. Mais voilà, je pense qu'il y a une petite zone de support qui pourrait faire immédiatement réagir le marché. CAC 40. Un mot et on terminera avec cela sur Wall Street. Wall Street qui a une première réaction haussière, c'est logique, en raison de la première réaction baissière du dollar américain. Léger repli technique, n'en est même pas un finalement, puisque le marché travaille les 23 500 points. Donc le momentum, le RSI du moins, accélère. Regardez, hein, le RSI qui atteint un nouveau plus haut annuel, même pluriannuel. Pluriannuel. Donc le momentum aussi qui est au plus haut quasiment voilà, depuis je pense voilà, l'année 2013. Donc ce qui montre la vigueur actuelle du Dow Jones et de Wall Street. Donc je pense en effet qu'à court terme le marché pourrait atteindre les 24 000 points. Magnifique tendance haussière lancée, initiée même depuis le mois de janvier 2016 pour l'indice, le principal indice américain. Le S&P, ensuite, ce sera au tour des réactions et questions. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou poser vos questions. Il reste quelques minutes pour réagir. Le S&P, qui, après avoir effectué lui aussi un doji la semaine passée, je dirais, techniquement, a reçu un risque baissier, un risque de consolidation, qui a légèrement pris forme hein, cette semaine, mais regardez, le RSI également reste bien orienté, donc ce qui montre finalement la vigueur de l'indice large de Wall Street. Alors en effet, à court terme, ce risque de consolidation est matérialisé également par cette contradiction de momentum entre cours et RSI. Je dis bien contradiction de momentum car le RSI n'a pas encore cassé ce creux, ces deux creux, qui sont quasiment positionnés donc au même endroit.
Donc attention à ce risque de consolidation sur le S&P qui pourrait donc retomber à court terme sur ce niveau de support très court terme à 2565 points. Voilà, je pense en effet que le marché pourrait consolider dans les heures qui viennent pour voilà, c'est ma stratégie pour ensuite repartir de plus belle, pourquoi pas dès la semaine prochaine. Et donc je maintiens ma cible à 2600 points en swing trading pour l'indice S&P 500. Voilà donc pour ce tour d'horizon suite à la publication du rapport NFP et suite donc à la publication du taux des chiffres de l'emploi pardon au Canada. Et d'autres réactions viennent d'arriver, sont arrivées du moins sur le chat. Alors, grosse correction attendue dans les mois à venir pour Wall Street, nous demande Arthur. Bah écoutez, pour le moment, le marché est haussier, un peu à l'image hein, finalement, quelque sorte, hein, sans comparer ces deux actifs qui n'ont rien à voir, mais un peu à l'image de ce que certains analystes disent sur Bitcoin. Tout le monde parle d'une bulle, une bulle, une bulle. En effet, ça s'apparente à une bulle, que ce soit le Bitcoin ou Wall Street. Mais, surtout le Dow Jones hein, d'ailleurs, particulièrement, pour le moment, la tendance est haussière. Donc là, certes, nous avons eu un signe, peut-être de rebond technique, suite à ces deux J, à ces pendus, à ces marteaux qui sont des bougies de retournement. Mais on voit que le marché, ces dernières séances, a réagi et rebondi immédiatement au contact de ces premiers supports. Donc voilà, donc je me dis en effet, certes, je pense qu'il faille profiter des replis techniques pour dégager des stratégies haussières. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, voilà, d'ailleurs, on voit en repli technique hein, du Dow Jones. Voilà, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, les opérateurs de marché prendront des bénéfices. Mais encore une fois, la tendance ne date pas d'hier. Elle date de janvier 2016, comme vous venez de le voir sur mon graphique. Donc oui, il y a toujours ce risque de correction suite à un tel rallye. Mais pour le moment, je ne vois pas particulièrement de signe de chute de Wall Street. Bien qu'à court terme, voilà, on sent quelques divergences entre cours et RSI. Donc, on pourrait s'attendre en effet à une séance de consolidation sur les indices américains. Alors, en même temps, on est en vague 5, vague euphorique. Alors, écoutez, malheureusement, je ne maîtrise pas du tout les vagues d'Elliott. Quelques notions, mais vraiment des notions très, très, très limitées. Alors Alban, bonjour Yoav, peut-on avoir un petit mot sur le pétrole WTI? Bien sûr. Ensuite, ce sera une question de JN sur le DAX. Alors voici mon graphique du WTI. Conviction ferme également sur le WTI depuis lundi, hein, depuis l'ouverture de la semaine, en raison de la clôture hebdomadaire effectuée la semaine passée par le marché qui était confronté depuis le mois de mai, depuis même le 11 mai, hein, comme on le voit, donc à la semaine du 11 mai 2015, à cette oblique baissière qui joue un rôle de résistance et qui finalement était positionnée proche de cette résistance horizontale à 53,25. Le marché a donc franchi cette double résistance, ce qui est donc après un tel breakout, je pense qu'en effet le marché Le WTI nous a donné un signal technique haussier. Et d'ailleurs, il reste bien orienté. Il se confronte désormais à ce seuil, à cette résistance hein, du mois de décembre-janvier 2017. Décembre 2016, janvier 2017 plutôt. Qui est en train bah, quasiment d'être franchi. En tout cas, ma cible moyen terme. Donc dans les prochaines, peut-être pas les prochaines séances, mais peut-être d'ici 2-3 semaines. Ma cible moyen terme se situe donc à 60,70 $. Et cette cible serait donc confirmée et relancée en cas de passage au-dessus de cette résistance du début d'année 2017. Alors, JN pour le DAX. Alors, bonjour.
Que nous réserve le DAX pour cette fin d'année? Merci par avance pour votre réponse. Alors écoutez, mon cher JN, d'abord merci à vous. Le DAX, comme je le disais, à très court terme, donc en intraday, je pense qu'il y a un risque de consolidation. Mais la tendance est haussière. Donc pour le moment, je ne vois pas de signe qui m'indiquerait donc un éventuel risque baissier. Donc pour le moment, je pense que le DAX pourrait poursuivre sa progression d'ici la fin d'année. Je vous invite d'ailleurs à télécharger notre guide de trading, nos guides de trading pour bah, tout simplement pour connaître nos anticipations de moyen terme. Je peux vous transmettre le lien si vous le souhaitez dans un instant. Voilà, le lien que vous pouvez retrouver sur le site dlfx.com/français que voici. Alors, où est-il? Voilà, il est là. Voilà, je vous invite donc à télécharger nos guides. Vous avez nos guides prévisionnels, prévision de trading, et vous sélectionnez ceux qui vous intéressent. Donc, nous avons notamment le prévision indice dans lequel vous retrouverez nos anticipations de moyen terme. N'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Alors, on poursuit avec les questions. Alors, une paire croisée, que je n'ai pas l'habitude de suivre, mais qui a l'air intéressante. C'est Bruno, hein, qui nous demande, j'ai manqué les 5 premières minutes et je ne sais pas si vous avez parlé du CHF JPY, franc suisse, face au yen. Voilà. Non, je n'en ai pas parlé. On en parle tout de suite. Je suis sûr qu'il y a des configurations intéressantes. C'est vrai que les configurations techniques ne se trouvent pas seulement dans les actifs majeurs, au contraire. Voilà, donc on regarde ça. Alors, eh ben le marché est retombé sur support. Un bon niveau de support. Quasiment. Support donc à 111,23. En tout cas, le marché est en train de consolider. Donc ce que je ferai, ça c'est pour du moyen terme. Donc en effet, déjà moyen terme, en données mensuelles, on voit qu'il y a de la marge encore pour une baisse du cours. En données hebdomadaires, on regarde ça tout de suite. Alors, données hebdomadaires, peut-être une droite de tendance à mettre en place. Pas réellement, mais en tout cas, on voit d'ailleurs que la droite de tendance rejoint ce support mensuel. Donc là, en effet, pour une stratégie swing, j'attendrai une éventuelle poursuite de cette consolidation jusque ce support à 111,23 pour ensuite dégager une stratégie haussière. Alors, le risque est bien sûr, hein, que le marché rebondisse immédiatement sans atteindre ce niveau de support, mais en tout cas, pour gérer son risque, je pense qu'on pourrait le faire donc avec les 111,23 yens. Données journalières peut-être. Bah, le graphique journalier qui m'indique pas énormément de choses, ce n'est peut-être un support, mais je dirais qu'il n'est pas majeur, un support plutôt mineur à 113,60. Voilà. Moi, j'attendrai une éventuelle poursuite de cette consolidation sur du 111,23. Il reste encore de la marge, hein, c'est pour une stratégie moyen long terme, au risque bien sûr que le marché rebondisse sans jamais retrouver ce niveau de support. Alors jette un œil sur les dernières questions, éventuellement. Non, bah, visiblement plus d'autres questions. Un JN qui me confirme donc qu'il a bien reçu le lien pour le guide. Donc bah, plus d'autres questions, plus d'autres réactions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ces deux webinaires spéciaux. On se retrouve donc mardi à 14h30, puisque pour les nouveaux, donc je le rappelle, on se retrouve chaque mardi, jeudi et vendredi à 14h30 pour un plan de marché stratégie Forex et indice boursier. Et bien sûr, d'ici là, je vous attends nombreux sur
Twitter, arrobase Yoav Nizar. Merci à toutes et à tous. Donc, je le rappelle, pour clôturer, le NFP qui a donc indiqué une baisse du taux de chômage aux États-Unis à 4,1% et la création de 261 000 emplois le mois dernier, qui est inférieur, nettement inférieur, aux 313 000 emplois anticipés par le consensus. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour Daily FX, IG Market. Soyez prudents donc sur les marchés. Je vous souhaite de passer un très bon week-end à mardi 14h30. Au revoir.